le meilleur joueur, c'est un monsieur, le gardien de but de Valenciennes, il était à Pôle emploi. Ça, c'est déjà une chose, c'est un des meilleurs joueurs. La deuxième chose, au lieu de recruter des gens, Venema, ceci, cela, il aurait fallu donner la chance à des joueurs de Valenciennes, certainement, et Copon. Il y a des bons clubs, il y a des bons jeunes. Ça, c'est des joueurs de football. Mais moi, j'ai pris l'abonnement, monsieur, vous savez. Je vous le dis franchement, l'abonnement, bientôt, je vais le prendre, je vais le mettre à la poubelle. Pourquoi ? Je vais vous expliquer, monsieur. Le football, c'est collectif. C'est 11 joueurs qui doivent se battre, tous les 11. On perd, on essaie de remarquer un but. Après, c'est le destin du football. Mais là, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai vu des choses désastreuses. Monsieur, vous donnez de la motivation à les 10 dernières minutes dans un match de football, monsieur. Moi, j'ai joué au football pendant 40 ans. De la première jusqu'à la 90e, c'est la guerre. C'est au combat. On joue, on joue, on joue, on joue. S'ils ne sont pas capables, c'est retour maison. Mais moi, je vous redis encore une chose, monsieur. Pour l'emploi, il a fait une bonne recrue. Voilà, ça s'arrête là. Merci beaucoup. Ils ont joué le dernier quart d'heure. C'est là qu'ils ont marqué, mais ils pouvaient faire mieux. Ils sauvent les meubles quand même ? Ouais, ça va. Ils ont pris un point, c'est encourageant. Après, avec la trêve, ça va aller mieux peut-être. Bah, dans la continuité, il y a eu du mieux aujourd'hui. Après, il faut encore que les automatismes se mettent en route. Ouais, après, je leur laisse du temps. Je sais que c'est compliqué à dire, mais j'ai envie de leur donner une dernière chance encore. Bah, pas une dernière chance, mais encore un peu de temps. Ce soir, c'était comme un épisode de Derrick. Long, pénible et ennuyeux. Voilà, ensuite on a eu 1-1, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire le match ? Les joueurs, ça allait, il y avait de l'envie, ils allaient de l'avant. Et voilà, que dire de plus ? Voilà, on espère que Valenciennes ira positivement et c'est bien parti. On sent, dès le début du match, on sent qu'il y avait de l'envie, ils allaient de l'avant, il y avait du jeu, les passes en retrait, c'était pas comme Paris, ça fonctionnait. Et non, après c'est de bonne augure pour la suite en tout cas. Voilà, merci à vous en tout cas, bonne soirée à vous. C'était encourageant, je dirais. C'était le score, on est forcément un peu déçu, mais l'attitude, je l'ai trouvé bien quand même. Oui, clairement, on sent que l'équipe commence à prendre forme et c'est bien. Moi, j'ai trouvé le match agréable. Allez bien quand même. Allez bien quand même. Je trouve que 3 a fait un très beau match, mais Valenciennes, vous êtes trop nuls. Faut arrêter. Vous êtes trop nuls, la tactique, elle est nulle, les joueurs sont nuls. Faut arrêter ça. Bah, je pense qu'en vrai, 3, ils ont fait un très beau match. Mais sur la fin, il y a eu un pénalty qui, moi, je pense, n'est pas... a été donné trop facilement, mais voilà, c'est tout. Et je pense que Valenciennes, il faudrait qu'il change de tactique, change d'entraîneur et change de joueur. Parce que là, sinon, ils vont partir en 1-1, là.